Bonjour les amis, je me présente Yasser Troutbal, président des comités France-Palestine de Seine-Saint-Denis, président des associations Boycott, Désinvestissement, Sanctions de toute la région parisienne et je suis par ailleurs militant de NPA. Ah, je peux pas vous dire pourtant, bon, moi, Macron, c'est un ennemi de classe, hein. Lui, c'est un agent du gros capital, alors que nous, on est anticapitalistes, hein. Mais hier, il a filé une leçon aux Juifs en Israël. Alors là, le président Macron, il nous a fait plaisir, hein, parce que, bon, les autres, ils croyaient que, parce que c'est le 75e anniversaire de la libération de leur camp, là, leur camp de la mort, Auschwitz-Birkenau, là, bon, c'est pour. Bon, c'est un sujet dangereux, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus. Mais enfin, ils se croient tout permis, ces mecs-là, quand même. Hein. Il était temps, Chirac, il les avait déjà calmés il y a un peu plus de 20 ans. Là, le président Macron, il leur a dit « Respect the Ruggles, keep quiet », parce qu'on a un président, il est polyglotte. Hein, là, alors, parce que les Juifs, ils croient qu'ils vont faire la loi en Israël. Ils croient qu'Israël, c'est chez eux. Mais l'église Sainte-Anne, c'est à la France. Hein. Et c'est pas parce qu'en France, il y a 150 zones qui sont tenues par les islamistes, c'est pas parce qu'il y a 750 zones de non-droit que pour autant, on n'a pas le droit de faire appliquer les droits dans l'église Sainte-Anne qui est en Israël. C'est à nous, les Israéliens, ils n'avaient pas à rentrer. Et puis, moi, je vais vous dire, je commence à en avoir un peu marre. Ces mecs-là, ils se croient un peu trop tout permis et tout. Nous, on est anti-sionistes, hein, on n'est pas antisémites, on n'a rien contre les Youpins, on n'a rien contre les Juifs, mais on ne peut pas saquer l'État d'Israël, hein, c'est tout, quoi. Et puis, bon, les Juifs, ils sont bien gentils, hein, mais ils sont toujours en train de pleurer, ces mecs-là. Ils sont toujours en train de se plaindre. Là-bas, ils nous parlent des 6 millions de morts. Bon, ok, mais les 6 millions de morts, c'est quoi à côté de... Ils ont piqué quand même la Palestine aux frères. C'est des colonisateurs, c'est des envahisseurs. Et moi, je suis désolé, mais ils traitent les Palestiniens comme les nazis ils traitaient les Juifs, quoi. Et puis, les Juifs, ils sont gentils, mais ils ont quand même tout le flouze. Ils ont tout le flouze, ils tiennent la presse, ils tiennent le cinéma, ils tiennent tout, quoi. Moi, les seuls que j'aime bien, c'est la Licra et le CRIF. Alors, la Licra et le CRIF, alors, ils sont bien. Hein. Ils favorisent l'avenue des frères, favorisent l'immigration, ils traînent devant les tribunaux, les racistes, là. Bon, eux, ils me plaisent bien. Licra, CRIF, ça va. Mais bon, sinon, ils se plaignent tout le temps, ces mecs-là. Attendez, bon, d'accord. Hein. De temps en temps, faut admettre, ça arrive. Hein. Il y a Ilan Halimi. Bon, 3 semaines, c'était un peu long, quand même. Il a un peu déconné, Fofana, là. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. On a condamné, hein, bien évidemment. Il y a eu Mireille Knoll, bon, c'est pas bien non plus, hein. Il y a eu Sarah Halimi, mais Sarah Halimi, c'est pas de sa faute, gars, il avait fumé. Bon, on dit que c'est un musulman, c'est vrai que c'est toujours des musulmans qui tuent des juifs en France, mais bon, ils provoquent aussi, ils provoquent avec leur kippa, ils provoquent les frères avec leur djellaba, ils provoquent les sœurs avec les voiles et tout. Puis ben, moi, je suis désolé, mais les Juifs, c'est un peuple dominateur, c'est un peuple guerrier. Je vous dis, ils ont quand même piqué Israël à nos frères. Hein, et puis, ils veulent pas se les... nous, on veut récupérer Israël. Ils veulent pas se laisser faire. Ils sont toujours avec des armes. Ils sont toujours... ils envoient leurs jeunes au service militaire, 3 ans, 2 ans, chez eux. Tout le monde a des armes partout. On peut plus les tuer. Ils se laissent pas tuer. Quoi. Bon, faut quand même pas... C'est de la provocation, quoi. Et puis, bon, moi, je suis désolé, mais ils sont malvenus, hein. Les 75 ans des camps de concentration, mais Gaza, c'est quoi? C'est pas un camp de concentration à ciel ouvert? C'est pas la même chose? Puis, moi, j'aime bien M. Macron aussi, hein, parce que c'est quand même l'Union européenne, c'est donc la France, hein, qui paye l'autorité palestinienne, qui paye, il paraît qu'il y a qu'un tout petit peu de corruption, mais grâce à l'argent qu'on envoie, vous voyez, les familles des terroristes palestiniens, quand il y a les Juifs qui les tuent, hein, parce qu'ils en tuent plein, les Juifs, hein, ils reçoivent une rente à vie grâce à l'argent de l'Union européenne. Et puis, M. Macron, il est quand même vachement intelligent, parce que,
Les Juifs, ils sont bien gentils, ils font tous leur alia, il n'y en a plus que 500 000 en France. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de 500 000 Juifs? Nous, on est 11 millions de musulmans, donc... Oh, monsieur Macron, encore merci pour ce que vous avez fait hier et pour la leçon que vous avez infligée aux Juifs. Encore merci, on va s'en rappeler au municipal. Bonne journée, les amis.